Christ, once again, we bring Calvary greeting to you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bien-aimés en Christ, encore une fois, nos salutations du mot Calvaire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And we thank God and we bless His name for this privilege to be on the EBSB TV again to share the word of God with you. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donné encore être sur cet écran à présenter le message de Dieu pour vous. Je dis bien l'écran de la télévision de l'église biblique Salut Vérité. For some time now, I have been teaching on the topic your seat shall not and will not and must not be empty. Il y a de cela quelques jours, je vous donnais un enseignement concernant le thème qui dit votre siège ne sera pas vide, ne doit pas être vide. And today I will be running off this teaching. Et aujourd'hui, je vais conclure cet enseignement. With the fifth part. Avec la cinquième partie. So if you miss the first part, si the second part, la première, la deuxième, the third, la troisième, and the fourth, et la quatrième, I encourage you, je vous encourage, to visit our TV, à visiter notre page web, the EBS VTV on livestream.com. La page web livestream, là vous verrez la télévision de l'église biblique Salut Vérité. Je dis bien EBS VTV. And you'll be able to click to the first part, the second part, the third and the fourth, and this is the fifth on the topic. Your seat will not be empty. Et vous aurez à cliquer sur la première jusqu'à la quatrième partie. Et ceci est la cinquième partie du thème qui dit votre siège ne sera pas vide. Let us pray. Prions. Holy Spirit, Saint-Esprit, it is time. Il est encore temps. Speak to your people. Parle à ton peuple. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Beloved, bien-aimé, the fourth part of this series, la quatrième partie de ce série d'enseignement, we look at the book of Ecclesiastes. Nous avons vu le livre des Ecclésiastes. Where King Solomon said, là où Salomon le roi avait dit, for somebody to be blessed, pour que quelqu'un soit béni, but he could not live to eat it, mais qu'il ne vive pas et en profiter, it is an evil disease. Que c'est une maladie grave, un mot grave. And unfortunately, mais malheureusement, that disease, cette maladie, has been killing many, a tué bon nombre de personnes, have destroyed many, a détruit beaucoup de personnes. But I pray for you, mais je prie pour vous autres, that you will live, que vous allez vivre, to bury that disease, vous d'enterrer ce mot, cette maladie, in the name of Jesus, au nom de Jésus. Listen to me carefully. Écoutez-moi. Bien. When somebody is sick, quand quelqu'un tombe malade, when you are sick, quand vous tombez malade, we go to a hospital, vous allez à l'hôpital, we visit the pharmacist, alors vous allez à la pharmacie, we get medicines, alors vous en procurez des médicaments, we go through treatments, alors vous passez à travers des traitements. Those medicines and treatments we take, ces médicaments que nous prenons, is to kill the disease. C'est pour tuer le mal, la maladie ou le virus qui est en train. So there are two things. Alors il y a deux choses. Either that sickness, that disease kill you, or you kill that sickness, you kill that disease. Les deux choses sont la suivante. Que vous tuez la maladie qui est en vous, ou c'est à elle de vous éliminer. That is why we take different drugs. C'est pourquoi nous prenons différents sortes de médicaments. Some of these medicines are not enjoyable. Et certains de ces médicaments ne sont pas bons à consommer. Some of them are not sweet. Alors certains parmi eux sont vraiment amers. But we take them. Mais nous les prenons. Because we are in a warfare. Parce que nous sommes sur un champ de bataille. We are fighting that disease. Parce que nous combattons cette maladie. That disease also fighting us. Et elle aussi nous combat. And one person must win, must overcome the other. Et parmi nous, quelqu'un doit vaincre son prochain. And in the spiritual realm also, et dans le règne spirituel aussi, we are in the battlefield. Nous sommes sur un champ de bataille. We are in the battlefield. Nous sommes sur un champ de bataille. There are spiritual diseases. Il y a des maladies spirituelles that are trying, planning, working to kill us. Qui essayent, qui s'efforcent pour pouvoir nous tuer. But, mais,
In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. God will help us to live. Dieu va nous aider, nous vivrons. And the victory. Et la victoire. Will be ours. Sera la nôtre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. As I come to the conclusion. Comme je suis arrivé à la conclusion. On this topic, your seat will not be empty. De ce thème qui dit votre siège ne sera pas vide. Join me in the book of Matthew chapter 6 verse number 13. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 13. Matthew chapter 6 verse 13. Matthieu chapitre 6 verset 13. This is coming from the mouth of our Lord Jesus Christ himself. Ceci vient sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. About the kind of prayer that we Christians should pray every day. Concernant le genre de prière que nous les chrétiens nous devons faire tous les jours. Verse 13 of Matthew chapter 6, I read. Le verset 13, je le lis. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 13 nous dit: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Our Lord Jesus Christ was teaching the disciples, and of course, is teaching us on how to pray every day, our daily prayer. Et notre Seigneur Jésus-Christ enseignait ses disciples et par la suite nous enseignait aussi comment nous devons prier tous les jours. And one of the most important prayer points said. Et l'un des points de prière dit: Father, Père, deliver us from the evil one. Délivre-nous du malin, du méchant. Deliver us from evil. Délivre-nous du mal. Which evil? Quelle sorte de mal? The evil that Solomon referred to in our last study. Le mal que Salomon avait pointé dans notre enseignement dernier. The evil disease. La maladie grave, dangereuse. That follow people. Qui accompagne les gens. That kill them before their miracle come. Qui les tue avant que leur miracle arrive. That kill them before their blessing come. Qui les tue avant que leur bénédiction ne les parvienne. The evil disease. La maladie grave. That make chairs, people chairs to be empty. Alors qui fait que leur siège devienne vide. He said we should pray. Jesus said we should pray. Jésus a demandé à ce que nous prions. Father, Père, deliver us from the evil one. Délivre-nous de la main malin. Deliver us from evil disease. Délivre-nous de la maladie grave. Father, deliver us from bad luck. Père, délivre-nous de la malchance. Deliver us from evil people. Délivre-nous de la main des méchants. People that waste life. Des gens qui gaspillent la vie des humains. Evil people. Des méchants. Father, deliver us from evil people. Seigneur, délivre-nous des méchants, du malin. Father, deliver us from danger. Seigneur, délivre-nous du danger. Don't allow our eyes, don't permit our eyes to witness evil. Ne permet jamais à ce que nos yeux voient le danger. Father, don't allow us to die before our glory. Seigneur, ne permet jamais à ce que nous mourrons avant la venue de notre gloire. Father, we pray don't allow our tears to be empty. Seigneur, ne permet jamais à ce que nous soyons vides. Deliver us from evil workers. Délivre-nous de la main des ouvriers maléfiques. This is a very important prayer that our Lord Jesus Christ, our Master, instructs us to pray every day. For your seat not to be empty. Ça, c'est une prière particulière, sérieuse que notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé ou nous a donné afin que nos sièges ne soient pas vides. Because parce que there are somebody and there are people. Quelqu'un ou certaines personnalités somewhere qui sont quelque part. Envying your post, your position, your level. Envie votre niveau, le poste, la place que vous occupez. And they are working day and night. Et ils œuvrent jour et nuit.
For your destruction. Afin que vous soyez détruits. For your downfall. Afin que vous échouiez. But I pray for you. Mais je prie pour vous. Let my God help you. Que mon Dieu vous aide. Let God fight for you. Que Dieu combat votre faveur. And for God to answer you, you must be prayerful. Avant que Dieu ne vous donne la réponse, vous devez être un homme de prière. You must take this prayer point serious. Vous devez prendre au sérieux ces points de prière. Don't just listen to these messages and then listen, but take them into prayer. Faut pas seulement suivre ce message, l'écouter. Non, mais plutôt soyez sérieux dans la prière. And for your prayers to be effective. Mais avant que vos prières ne soient effectives. For God to answer your prayers. Afin que Dieu écoute vos prières. You must be born again. Vous devez être né de nouveau. You must receive Jesus Christ. Vous devez recevoir Jésus dans vos vies. You must be a Christian. Vous devez être un chrétien fervent. Yeah, you oui. must confess your sin. Vous devez confesser vos péchés. You must invite Jesus into your life. Vous devez inviter le Seigneur Jésus-Christ à rentrer dans votre vie. And become a child of God. Et après devenir un enfant de Dieu. And after that, et après ceci, search for a living Bible church. Cherchez une église vivante basée sur la Bible. And be a member. Et soyez un fidèle. And learn the word of God. Et apprenez la parole de Dieu. Learn how to pray. Apprenez comment prier. How to live a prayerful life. Comment mener une vie de prière. So that afin que God will answer your prayer. Dieu exauce votre prière. And we round up with 2 Thessalonians chapter 3, verse number 3. 2 Thessalonians. Pour finir, je vais lire 2 Thessaloniciens. Chapter 3. Chapitre 3. Verse number 3. Verset 3. It says. Il dit. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Take note of it. Alors, prenez garde à ceci. He said, the Lord is faithful. Il dit, le Seigneur est fidèle. He will preserve you. Alors il vous préservera. He will preserve your chair. Il préservera votre siège. He will preserve your blessing. Il préservera vos bénédictions. He will preserve your life. Il gardera votre vie. And he will deliver you from evil. Il vous délivrera du malin. If you believe, I want you to say amen. Si vous croyez, dites amen fort. And that amen is not enough. Et cet amen n'est pas encore suffisant. You need to pray. Il y a besoin que vous priez. And I pray for you. Et je prie pour vous. I pray for you. Je prie pour vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I stand on this word. Je me tiens sur cette parole. And I pray for you. Et je prie pour vous. I pray for your marriage. Je prie pour votre mariage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In any way your marriage seat or throne is about to be broken. Dans tous les cas où le trône du mariage semble être brisé. May the Almighty God reestablish your marital seat in the name of Jesus. Que le Dieu Tout-Puissant le rétablit au nom de Jésus. And I pray for you. Et je prie pour your vous business, que vos affaires, your employment, alors le service, your connections, les connexions que your vous avez, head, la santé. In any way the evil one is planning to hijack you. Dans tous les cas où le malin veulent vous avoir, I vous pray attaquer. For you, je prie pour vous. May the Almighty God, que le Tout-Puissant deliver you from evil, vous délivre du malin. In the name Jesus. Au nom de Jésus Christ. Be preserved. Alors sois protégé. Be blessed. Sois béni. In the name of the Father. Au nom du Père. In the name of the Son. Au nom du Fils. And in the name of the Holy Ghost. Au nom du Saint-Esprit. I want to hear amen. Je veux attendre un amen. Beloved, bien-aimé, you are blessed. Vous êtes béni. You are blessed. Vous êtes béni. You are blessed. Béni encore une fois. I believe you understand better. Je crois que vous avez mieux saisi. Next time, la prochaine fois, I will come forth with another topic. Alors je viendrai avec un autre thème. But don't forget, mais n'oubliez pas, if you miss any of this series, si vous avez raté une partie de ce message, visit our TV, alors visitez notre site web, EBSV TV, on live stream, sur livestream.com, and you will be opportune to click
on any of the parts you miss and watch again. Là, vous pouvez avoir les parties, les séries. Vous cliquez là-dessus et vous les voyez. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If you are blessed by this mission and by this vision. Si cette mission, cette vision est une source de bénédiction pour vous. You are free. Alors vous êtes libre. To contact us. À nous contacter. For more prayer. Pour plus de prières, for counseling, de conseils, or for your support, ou si vous avez des supports, and your partnership, et être un de vous. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Wishing you a wonderful day or wonderful night. Nous vous souhaitons une bonne journée, une soirée merveilleuse. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. And amen. Amen.